Déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2011, la Journée internationale de la jeune fille est célébrée tous les 11 octobre. Pour l'édition 2021 de cette journée, placée sous le thème « Combattre conjointement les maladies tropicales négligées et le paludisme pour favoriser l'égalité des genres », l'ONG Speak Up Africa, en collaboration avec le Musée de la femme béninoise, a organisé un panel de discussion avec ses partenaires et les acteurs du secteur de la santé. Dans le cadre de la Journée internationale de la jeune fille, nous avons, conjointement avec le Musée de la femme béninoise, initié donc ce panel discussion afin de pouvoir non seulement travailler à davantage porter de voix pour la priorisation donc de la lutte contre le paludisme, mais également des maladies tropicales négligées, mais travailler à ce que nos gouvernants, nos décideurs, travailler à ce que les communautés puissent comprendre aujourd'hui l'impact direct de ces fléaux sur les femmes et sur les filles. Yannick coordonne au plan national la campagne En Marche vers Kigali. Donc à travers sa propre campagne de 229 marches vers Kigali, qui est une campagne initiée par les OSC de la sous-région, dont le but est de renforcer les efforts de communication et de plaidoyer pour l'élimination et la lutte contre les maladies tropicales négligées et le paludisme. Pour Wilfried Bacho et Anissé Adja, respectivement coordinateurs du programme national de lutte contre les maladies transmissibles et chef service des inventions communautaires et de la communication du programme national de lutte contre le paludisme, les maladies tropicales négligées et le paludisme contribuent à perpétuer le cycle de pauvreté et constituent un poids pour la société. MTM, c'est un groupe de maladies qui sont caractérisées, n'est-ce pas, par le fait qu'elles contribuent à perpétuer le cycle de la pauvreté. C'est des maladies qui affectent le plus souvent les personnes les plus pauvres dans les régions les plus pauvres. Et négligées parce que l'opinion nationale et internationale, pendant des décennies, n'a pas taillé de l'importance à ces maladies-là. Il y a quelques années seulement que l'opinion internationale a commencé par faire beaucoup plus de médiatisation de ce groupe de maladies. Le paludisme est un fléau et qui constitue vraiment un poids pour la population béninoise. Tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Par conséquent, c'est le moment de beaucoup relayer l'information, de beaucoup communiquer pour un changement social et comportemental. Conscient de ce que le paludisme ainsi que les maladies tropicales négligées influencent négativement les droits des filles, notamment leur éducation pour le développement économique d'un pays, les partenaires de l'ONG Speak Up Africa présents à ce panel ont réitéré leur implication dans la lutte contre ce fléau. Il se trouve que nous partageons des centres d'intérêt. Il y a des problématiques finalement qui sont transversales à nos deux organisations. Donc pour les conjuguer, ces deux problématiques là, sanitaire et puis la question des inégalités de genre, d'où l'intérêt de cette journée de parler du genre et de parler des maladies tropicales négligées et du paludisme. Dans le cadre du paludisme, nous avons entamé depuis 2 ans bientôt un programme de partenariat avec Speak Up Africa sur le paludisme. On s'est dit pourquoi ne pas engager les entreprises qui travaillent avec EcoBank dans la lutte contre le paludisme pour que aussi bien au sein de chaque entreprise, chacun s'engage donc à faire quelque chose pour faire arrêter le fléau qu'est le paludisme. Les médias représentés au cours de ce panel pour apprécier un peu l'implication des acteurs des médias dans la lutte contre les maladies tropicales négligées et en même temps le paludisme. Pour engager davantage les médias dans cette lutte-là, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans notre rôle en tant que médias d'informer, de sensibiliser et d'éduquer, nous intéressons à plusieurs thématiques, notamment des thématiques qui ont rapport à la santé. Et l'information principale, sinon les éléments sur lesquels il faut mettre l'accent ici, c'est de savoir que les médias, pour bien jouer leur rôle, ont besoin également d'informations. Et donc, il est important de maintenir le rapport ou le contact avec les acteurs qui s'impliquent dans ce domaine-là pour permettre aux acteurs des médias d'avoir des contenus techniques
qui leur permettront par la suite d'être travaillés et pouvoir être diffusés pour la communauté et permettre à la communauté d'avoir en retour la bonne information. Rappelons que l'édition 2021 de la Journée internationale de la jeune fille porte sur le thème « Combattre conjointement les maladies tropicales négligées et le paludisme pour favoriser l'égalité des genres ».